La canopée est le projet qui symbolise la rénovation des halles. C'est un projet qui a été dessiné par Patrick Berger et Jacques Anziuti en 2007. Il est constitué de deux bâtiments reliés par un toit en acier et en verre qui fait 96 mètres de portée dans sa grande dimension. Le site des Halles, c'est un site qui accueille 150 000 personnes jour dans le centre commercial. C'est un site sur lequel on ne peut pas se permettre de faire de la demi-mesure en matière de sécurité. On ne peut pas non plus se permettre de faire de la demi-mesure en matière de confort. Et c'est pour ça que le CSTV est intervenu à deux niveaux. En France, c'est probablement le seul organisme qui a les moyens de mener de telles études. D'abord les moyens humains et techniques, mais aussi les moyens en termes d'installation. C'est-à-dire que les études en soufflerie qu'on a faites à Nantes, il n'y a guère qu'à Nantes qu'on est capable de les faire en France. L'objectif de la SEM Paris-Seine, c'était vraiment d'assurer d'abord la stabilité de son ouvrage. Donc on étudiait les efforts à la fois sur les bâtiments et sur les ventelles, puis les stabilités des ventelles et les efforts sur les ventelles seules. C'est des structures très longues, extrêmement souples et donc tout à fait susceptibles de vibrer verticalement. Le vent est vraiment un paramètre important, à la fois pour la stabilité et aussi pour le confort des usagers. On a étudié le confort des usagers à l'intérieur du patio et aussi à l'extérieur dans le jardin. En fait, ces ventelles sont orientées de telle sorte que le flux soit dévié verticalement. Ça permet de dévier la majorité du flux vers le haut et de diminuer la quantité de vent qui sera perçue par les piétons au niveau du sol. Alors, il fallait absolument passer par une maquette réelle. Les outils numériques sur ce genre d'ouvrage, ils sont encore récents. Les études en soufflerie, elles sont plus anciennes, elles sont, à ma connaissance, plus fiables et elles permettent de percevoir éventuellement d'autres choses. Le CSTB a aussi été sollicité pour faire les études de sécurité incendie, à la fois le désenfumage du patio et la stabilité des ventelles sous les flammes. La finalité de l'ingénierie du feu, c'est d'abord de vérifier que la structure est stable en cas d'incendie dans l'infrastructure. On ne va pas avoir un effondrement en chaîne du toit et des bâtiments. Donc c'était quelque chose d'absolument indispensable. Et on l'a mené à un stade d'études amont pour sécuriser la faisabilité du projet. Il s'est avéré que les études avec le CSTB, elles ont confirmé un certain nombre de présomptions qu'on avait. Ça sécurise évidemment le projet avant de lancer les travaux, ça sécurise l'exploitation et ça sécurise l'investissement et la durée du chantier. Donc pour un maître d'ouvrage, c'est évidemment les trois sujets qui sont essentiels.